Salut mes petits loulous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Dusgural touche à tout. Aujourd'hui un épisode sur Speedrunner avec mon ami Quackpanda. Salut Panda. Donc tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui a été fait par Double Dutch Games. Petit jeu indé qu'on trouve sur Steam qui est vraiment excellent et qui reprend le principe de Micro Machine. Donc le but c'est c'est du versus avec d'autres joueurs et de sortir de l'écran plus ou moins les autres joueurs en courant le plus vite possible. De toute manière, vous allez voir, on va faire d'abord un premier match en duel histoire de voir qui est le meilleur. Pour chauffer, quoi. Ouais, voilà, pour se chauffer aussi, hein, parce que quelque part, comme t'as pas le jeu, t'as bien le droit à un petit tour de chauffe. Et après, on fera un deuxième petit match où on va rajouter des bots parce que les joueurs sur le net sont beaucoup trop violents pour nous. Donc voilà, donc allons-y, c'est parti. Alors allons-y, on a Quackpanda qui est en gris et moi je suis le mec en licorne rose. Petite balayette. Hop. Hop, tiens, voilà. Donc au niveau des contrôles, c'est assez basique, on peut sauter, on peut envoyer un grappin. Alors attention, c'est un vide intersidéral là en dessous. Ah bah c'est un vide intersidéral, oui. Voilà. Non, c'est un rire de merde. Et à côté de ça, donc voilà, on a des items, on peut glisser sur les murs, on peut faire des super courses. Waouh, youpi, tralala, pouet pouet. Et donc, comme j'ai dit, c'est un peu comme Micro Machine, donc le but c'est d'aller plus vite que les autres et de les faire sortir de l'écran. Salut. Aïe. Ah putain, on voit rien, on sait pas où on va. Non. Tiens. Salut. Tiens, je me souviens de la dernière fois que t'as fait ce bruit là, c'était pas beau à voir. Hein. Hop, je te lâche des caisses sur la gueule. Dégueulasse. Ouais, j'essaye de t'enfumer mon gars. J'espère que... Ah oui. Ah merde, fallait que je glisse, c'est vrai. Non, merde. Oh bordel. Bon. Mec qui saute en bas. Salut. Quoi? 2-0. Ah merde, c'est pas moi qui ai eu le premier. Eh non, merde. Parce que c'est trop mauvais. Oh non. Putain, je t'ai filé 10 euros pourtant pour que tu me laisses gagner. Je veux dire, si tu veux gagner, crée-toi ta chaîne. Merde. Ah putain de... Non, non. Donc le grappin jaune, c'est vraiment l'arme la plus enculée du monde. Merde. Ça t'apprendra. C'était une ruse, Batman. Merde. Vieux bruitage. Vous vous êtes entravé dans votre casier judiciaire. J'ai failli dire casier judiciaire, c'est ça. Jujitsu. Putain, je crois que je suis allé au mauvais côté. Non. Ah, heureusement, tu fais n'importe quoi! 3-0, hein? Oui. Je crois que t'as gagné. Bon, bah, on va courser un petit peu, on va faire un deuxième match et on va rajouter des bots parce que. Non, pas ces bots-là. Je sais très bien que c'est interdit de mettre des bots. J'ai un panneau à l'entrée de mon chez-moi. Ouais, tout de suite. Okay, allons-y, on a rajouté des bots, on a gardé les mêmes couleurs. C'est quand même un jeu qui est beaucoup plus sympa à faire à 4. Et le problème, c'est que si on avait fait ça sur le net, on se serait juste fait violer par les joueurs qui sont juste des gros malades. Jouer en ce moment sur le net à ce jeu, c'est un petit peu comme essayer de rattraper quelqu'un qui vous a volé votre sac à main alors que vous êtes en chaise roulante et que vous avez des roues carrées, quoi. C'est juste horrible. Ce qui est un sport national dans certains pays. Ouais, c'est ça. Alors, là, je crois qu'on va réussir à en éliminer un. Ouais, les deux, d'ailleurs. Ah ouais. Ah, d'accord, dès qu'il en reste plus que deux, donc on a le... La mort subite. Non, en fait, c'est l'effet explosif, il montre juste qu'on a réussi à éliminer quelqu'un. Oui, mais là, il y a le mur qui commence déjà. Ah merde, ouais, effectivement. Putain, j'avais pas fait gaffe, quoi. Ah ah oh oh, fais-moi le malin, hein. Je suis Monsieur Licorne. T'as qu'à pas commencer, tant pis. Allez, je me plains de boutons. Ah merde, j'ai pas... je me suis pris un truc et ça fait que je t'ai pas éliminé. Ah. Arrête, les deux bottes ont le grappin jaune. J'ai pas envie de passer devant. Ah. Oh non. Enfin, en même temps, moi j'aimerais pas avoir Monsieur Licorne derrière moi. Au moment où il te rattrape, je crois qu'il te fait un deuxième trou de balle, quoi. Ok. C'est quand même, l'item il est un peu ultime et il arrête pas de passer. Oui, vite, je trouve. Alors en même temps, quand tu joues à 4, ça change pas la donne tout de suite, quoi. Non, puis ça permet des rebondissements tout le temps. En fait. Ouais,
C'est vrai que ça permet d'être fluide. C'est vrai que comparé aux items d'un Mario Kart où les gros items sortent que de, quand t'es dernier. Oui, et que les remontissements sont juste ultra prévisibles en fait. Mm. Bon, mais bon. Crevez les mecs quoi. Mais surtout qu'ils ont tous les deux l'arme, donc allez-y, vas-y, envoie-lui la sauce. Jean-Louis. Il a tiré trop tard. T'es prêt? Go. Non, je ne recrèverai pas comme une grosse. Mais qui c'est qui a fait ça? Oh. Ah, moi je vous sors. Mais genre, je vous sors, tu vois. Genre comme ça là. Mmh. Ah, vas-y, vas-y, marche dessus, marche dessus. Aïe. Tout le monde s'entrave comme. Enculé. Oh non, non. Ah, putain, mais. Ah. Oui, c'est bon, en plus vous avez libéré le chemin en vous prenant tous les. C'est toi? C'est toi qui as tout pris, hein? Oui, sûrement. Ah, t'es déconcentré là, tu m'as battu. De quoi? Hein? J'ai pas bien entendu. J'aime bien le soviet quand il glisse au sol, c'est vraiment trop marrant. Lol. Et ça t'ennuie quand je fais ça? Non. Ça t'ennuie quand je fais ça? Non. Ça t'ennuie quand je fais ça? Tu vas perdre, tu vas perdre. Ça va t'ennuyer quand je te mettrai un coup de boule. Tu redis jamais ça. Sinon, je serais obligé de reparler de ta blague sur les bottes. Mais en public. Très bien, ma boule. Ah, t'y étais presque. C'est bien d'avoir un super item, genre peau de banane, alors que t'es de deuxième. Pas mal. Oh, pardon! Ouais, t'y es presque. Non. Donc, en tout cas, c'est un jeu qui était sorti en août et qui est franchement super, super chouette. Il est sorti, je crois que je l'ai pas dit au début, mais il est sorti à 10€. Ah! Et faut. J'aime bien, tu ponctues ce que je dis. Genre, il est à 10€. Ah! 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 Tu l'as encore, vas-y, balance! Et c'est juste une pression interminable. J'adore quoi, c'est tip top. No. Ok, c'est bon. Oh yeah, oh yeah. Mais t'es tout devant. Oui. Ah, t'as envie de marquer ton premier point, c'est ça, c'est ce que tu essayes de faire là. Tu peux aller te. Hein? Tu peux aller te. Tu peux aller remettre tes bottes. Oh, non, je suis juste devant toi. Aïe. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui. Aïe putain, je vous ai libéré le chemin. Putain. Il y a vraiment une pression mentale dans ce jeu, c'est énorme. Faut pas louper, tiens. Oui, oui, je vais vous en. Je vais vous avoir. Ah, bâtard, en plus t'as sauté au bon moment. Non, je. C'est entre toi et moi, petit. Si je gagne, tu as perdu. C'est logique. Putain, les rires de l'enfer, quoi. Ah. Oui. Choper. Voilà, le grave. Tiens. Ah ouais. Vas-y, grappe-moi. Ouais. Oh, t'en as un autre. Putain, c'est du pas du juste. Putain, plus je m'entrape sur chaque... Vas-y, prends-les, toi. Ah, tu t'en es souvenu, maintenant. Oui, mais je l'ai... Non. Non. Bâtard. T'as vu, on commence dans le vide, c'est trop bien fait. Ça, c'est un jeu programmé. Hein? Par des gens qui programment. C'est très bien. Ah oui, ah oui. Non. Dégage. Tu m'auras pas, G.I. Joe. Ah oui. Vous avez fini, oui. Ah, c'est ça, la foreuse, tu vois. On l'avait toujours pas eu. Ouais, oui. Ça permet de bien, bien tracer. C'est marrant parce que j'étais juste à côté de celui qui a la foreuse et je suis devant lui. Ça a vachement fait tracer. Non. Ah merde. Non. Non mais qu'est-ce que... Il a, en plus il a un grappin doré, je vais pas m'en sortir. Je crois que les bots l'utilisent un petit peu de manière complètement précoce. C'est assez rigolo. Trop drôle. On se marre toujours des gens précoces, hein. Et lui il a comme dans le... Vas-y, pète lui le trululu. Ah merde, bravo. Putain, Jean-Louis la licorne, tu chies dans la colle, quoi. Vas-y. Merde, j'ai déjà fait le saut. Qu'est-ce que tu penses quand je te lâche une caisse à la gueule? Merde. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Non.
La super pub. En tout cas, c'était Speedrunner avec mon ami Quapanda. J'espère que ça vous aura plu. On a fait un partout, donc c'est bon enfant. Donc on va être obligé d'en refaire une hors caméra, tout nu avec des bières et voilà, histoire de savoir qui est le meilleur. Et puis dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain Usgirl touche à tout. Allez, ciao. Ciao.